Salut tout le monde, ici Albanvois et Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et en effet, dans cette vidéo, c'est toujours une découverte de la 1.6. Que là, dans aujourd'hui, donc on est, je tourne à l'heure de la sortie de la 1.6 le mercredi 9 juin 2021. Et toute cette matinée, je suis en phase de découverte avec toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont être ajoutées. Et ensemble, on va parler des deux nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées à Housing. Donc c'est le fait d'interagir avec nos personnages, avec certaines décorations on peut interagir avec eux, et il y a aussi l'accès des pièces du second étage du Housing. Et donc on va voir ça dans cette vidéo. Tout d'abord, alors, donc là ça charge, on est en train d'être au Housing. Également aujourd'hui, je vous expliquerai le premier event que j'ai déjà terminé. Je vous expliquerai ainsi ses récompenses et comment procéder pour l'event The Barbara. Ces events sont assez faciles. Ils ont permis de transit. On a déjà fini la quête. On a un permis de transit et deux autres leçons du héros. Et donc là, on va pouvoir l'utiliser pour inviter nos autres personnages. Donc là, on va pouvoir utiliser ce permis de transit pour inviter nos autres personnages. Ah oui, en fait on a un onglet, on a une nouvelle partie qui est rajoutée. En fait, vous êtes n'importe quel personnage. Et n'importe quelle classe de l'équipe, je pourrais s'inviter à notre cimetière. Des compagnons et après voilà. Également comme autre fonctionnalité qui a été débloquée, c'est que on va faire un exemple, par exemple. Ça a un niveau de confiance, je donne un exemple. Ah ouais, la deuxième fois en fait on roule, mais on
avec des bails dialogues. Ah oui, on retourne au truc précédent. Ok, on retourne à... Voilà. Et encore, la dernière fonctionnalité qu'on va voir. On a les pièces qui sont débloquées, donc ça peut nous permettre de passer des choses ici. On a aussi les objets de chargement des objets qui ont été augmentés. Et ici, ça c'est débloqué aussi. Et sinon, on a également d'autres fonctions. On a également eu un nouveau gadget par un event. Par l'event que je vous ferai en vidéo après. Cette boîte à outils de barge, que quand elle sera remplie d'objets qui nous permettra de restaurer le petit bateau qui lui restaurera 5% de l'intégralité qui durera 80% du temps de recharge. Ça. Et donc sinon on avait également deux autres sets qui ont été rajoutés. Donc en 16.07 on y va donc avec le marchand qui lui débloque dans notre recette une recette de ramen et une autre recette de bouffe. La recette de ramen qui nous permet d'augmenter la taille du bouffe. La recette de bouffe qui nous permet de renforcer la défense de notre équipe. Et je crois que c'est à peu près tout. Après, on en rentrera plus tard, donc sûrement dans les prochains jours. Les informations, et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la petite cloche, le petit like et l'abonnement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est à vous. Ciao.